Bonjour, bienvenue à cette septième conférence confinée astrophysique, même si officiellement nous ne sommes plus confinés. Alors en pratique, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, la vie d'avant ressemble à la vie d'après, et nous allons essayer de faire en sorte que la vie d'après change, mais bon, c'est un autre débat. Cette a priori dernière conférence confinée a lieu maintenant. Peut-être qu'elle existera sous un nouveau format à l'avenir, mais en tout cas dans ce format-là, c'est la dernière. Non pas que l'exercice soit inintéressant ni que j'y prenne plaisir, mais force est de constater que voilà, ça prend du temps et donc j'ai un peu de difficulté à tout mener de front. Donc d'ailleurs celle-ci voilà, sera minimaliste parce que je n'ai pas préparé grand-chose. J'ai quand même fait des petites choses pour vous, mais la dernière ne sera peut-être pas la plus grandiloquente, quoique il y a des petites expériences sympathiques à faire. Alors je n'ai pas de programme très prédéfini. Je sais que je voudrais évoquer avec vous des petites choses, disons au moins deux, qui tournent autour de comment faire de l'astrophysique chez soi quand on n'a quasiment pas de matériel. Évidemment, nous les scientifiques, on a à nos dispositions, parce qu'on y travaille, on fait des demandes, on fait des grands projets, etc., des grands instruments, des télescopes au sol, des télescopes dans l'espace. Des supercalculateurs, des expériences de laboratoire, enfin voilà, la recherche se mène et fait plein, on peut faire plein de choses formidables, mais effectivement, ce sont des grands moyens. Il y a beaucoup de collègues qui y travaillent, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des administratifs, donc on fait pas ça dans son jardin ou dans sa cave. Voilà, ce sont des grandes équipes qui donnent voilà, de très très bons résultats. Néanmoins, on peut avoir du plaisir et faire de la science amusante, rigolote, voire de la science participative de chez soi. Alors, j'ai deux exemples à vous montrer. Peut-être qu'au cours de cette conférence confinée astro, d'autres idées me viendront, mais enfin, pour l'instant, j'en ai deux. La première, c'est faire de la spectroscopie avec un compact disque, un CD-ROM. Alors ça n'existe plus trop les CD-ROM, voilà, les plus vieux d'entre nous auront de... Ah, je ne l'ai pas ici, mais j'ai du vieux matériel informatique que j'aimerais ressortir. Non, je l'ai à mon labo, je ne l'ai pas ici, mais j'ai une vieille disquette et une vieille bande magnétique. C'est assez extraordinaire. Une disquette sur laquelle on mettait 1,4 mégaoctets, c'était extraordinaire à l'époque. Et puis une bande magnétique qui est grosse comme ça, sur laquelle on mettait 10 mégas à peu près. Donc voilà. Là-dessus, on mettait 700 mégas de mémoire, 700 mégaoctets, voilà, c'est même écrit dessus. Ou 80 minutes de musique en vitesse 1. Voilà. Bref, moi j'ai repris des vieux CD que j'avais à la maison, gravables, ou sur lesquels on a mis des sauvegardes. Mais en fait, un CD-ROM, d'un point de vue optique, c'est un réseau à l'intérieur, comme un réseau de diffraction. Il y a comme des petites fenêtres qui permettent de réfracter la lumière, hein, ou de la diffracter, donc ici par réflexion. Hein, voilà. On va faire ça par réflexion. D'ailleurs, vous voyez peut-être avec la lampe, vous voyez voilà, des traits blancs. Alors c'est une lumière continue, donc elle est blanche ici. Il n'y a pas de choses particulières. Je ne sais plus avec quoi elle est faite cette lampe. Enfin, je vois quelques couleurs quand même. Je ne sais pas si vous les voyez vous, mais ah oui, il y a quelques petites couleurs qui apparaissent. Quand on l'a, voilà. Donc en fait, les propriétés du CD-ROM comme un réseau de diffraction, c'est le terme technique du système optique qu'on utilise, permet de faire de la spectroscopie, c'est-à-dire d'analyser la lumière, de disperser la lumière comme un prisme, mais avec une forme absolument toute fine. Et les réseaux de diffraction sont utilisés en astrophysique pour faire des grands spectrographes, analyser la lumière, que ce soit dans l'espace ou au sol. Et donc, on peut faire des expériences. Le seul conseil, c'est de ne pas regarder directement la lumière du soleil, hein, parce que la lumière du soleil est très intense. Alors, je n'ai pas le dispositif avec moi ici, mais on fait ça dans mon laboratoire et avec des associations. Je vous mettrai le lien. Sur la page web, d'un petit plan où vous prenez une boîte en carton que vous découpez. Ça peut être une boîte de céréales, hein, ou sinon un carton quelconque. Il faut que ça soit à peu près grand comme ça. Enfin, une feuille A4. Et sur cette feuille A4 avec un patron, vous découpez la forme, vous repliez et vous collez sur le CD comme le plan l'indique. Mais pareil, j'ai honte, je n'ai absolument rien préparé, donc j'ai ça quelque part.
au labo, je crois, pas ici. J'aurais pu le redécouper, mais je n'ai pas pris le temps. Et avec ça, il y a une petite fente qui permet de sélectionner la lumière et vous le mettez en face et vous pouvez voir le spectre d'une lampe. Ça peut être une lampe continue, ça peut être une, voilà, les lampes de la maison. Essayez et vous verrez que les couleurs que vous verrez à l'intérieur ne sont pas les mêmes selon le type de lampe. Et l'idéal, c'est de regarder le soleil avec. Mais alors, il y a une fente très fine, donc on peut regarder, mais il faut quand même faire attention. Et donc, j'ai une petite vidéo que je vais vous passer où il y a quelques instants, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé sans ce dispositif en carton, qui est quand même bien meilleur que sans dispositif. On peut quand même voir le spectre du soleil. Alors, je vais essayer de vous trouver une fenêtre. Je ne sais plus dans quelle fenêtre j'ai mis ça. Voilà, je vais essayer de vous trouver ça. Non, voilà, celle-là. Donc, je suis allé à la fenêtre et sous nos yeux, ça fonctionne. Donc, je réfléchis la lumière sur le CD, qui est la lumière du ciel avec le soleil. Et vous voyez le spectre apparaître. Vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel qui apparaissent en bas du CD. Et là, c'est relativement sans danger puisque c'est par réflexion. En plus, il y avait des nuages. Donc, selon l'orientation que vous prenez, vous aurez le spectre du soleil. Donc, là, je le fais avec le smartphone. Donc, vous pouvez zoomer. À un moment, je crois que je m'approche. Du CD-ROM pour voir très très bien le spectre. Mais là, en fait, les couleurs sont un petit peu. Voilà, on voit le spectre. D'ailleurs, on peut voir la réponse spectrale du téléphone, parce qu'on voit que le. Je sais pas si on arrive à voir. On voit que le vert est très très large sur cette image, alors qu'avec nos yeux, en fait, c'est tout à fait homogène. Donc, en fait, on voit que le téléphone est beaucoup plus sensible dans le vert qu'à d'autres longueurs d'onde. Alors là, c'est fait en mode complètement vite et mal fait, mais vous voyez le potentiel qu'ont les CD-ROM, hein, le potentiel caché des CD-ROM. Voilà, j'avais fini la petite vidéo de tout à l'heure. Vous voyez le potentiel caché des CD-ROM pour faire des spectres, c'est-à-dire décomposer la lumière, alors qu'elle soit continue ou par avec des raies d'émission. Et c'est une expérience que vous pouvez faire, donc avec le lien que je vous donne, de découper chez vous la petite partie pour faire le spectro, pour que la lumière arrive avec la bonne incidence et retourne avec une petite fente pour bien sélectionner et pas que les raies se marche dessus. Alors, ça, c'est de la physique, hein, voilà. L'astrophysique, c'est aussi de la physique. Et c'est comme ça qu'on a découvert la composition du Soleil, hein, il y a plus de 130 ou 140 ans, je ne sais plus trop. Parce qu'évidemment, on ne peut pas aller sur le Soleil, et même si on y allait, on y serait en tellement mauvaise forme qu'on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc, il faut analyser à distance. C'est ce jour-là que l'astronomie est devenue l'astrophysique, parce qu'on faisait de la physique à distance. Et donc, on a pu découvrir l'hélium, tout un tas d'autres atomes qui étaient présents dans le Soleil, et puis dans les étoiles, et puis faire vraiment de la physique stellaire et comprendre ce qui se passe dans les étoiles. Et donc, on s'est rendu compte que les étoiles avaient une émission en fonction de la couleur, une émission en fonction de la longueur d'onde, qui est tout sauf anodine, qui a une enveloppe de corps noir en physique et qui a des raies d'absorption. Alors là, je pourrais en parler longuement. Le corps noir, c'était une émission idéale en physique, donc qui n'existe pas complètement. Peut-être que le meilleur corps noir qui existe dans la nature, c'est probablement l'univers lui-même, avec le corps noir cosmologique, hein, le fond cosmologique. Si vous me suivez, vous en avez entendu parler à plusieurs reprises. Donc le fond cosmologique a 2,725, je crois, Kelvin. Et donc c'est un corps noir à mieux que 10,5 près, 1 pour 100 000, parce que les petites fluctuations du fond cosmologique sont très faibles par rapport au spectre du corps noir. Alors les étoiles n'ont pas vraiment des spectres de corps noir, parce qu'il y a beaucoup d'émissions, des absorptions, mais enfin l'enveloppe ressemble un petit peu à un corps noir. Et peut-être que vous savez, même si la notion de corps noir est quand même très complexe, que le maximum d'émissions du corps noir ne dépend, et le spectre même, ne dépend que d'un seul paramètre, c'est la température. Et donc, si vous avez des étoiles chaudes, eh ben, l'émission préférentielle du corps noir ira vers le bleu. Et si vous avez une étoile froide, le corps noir sera principalement émis dans le rouge, même si le corps noir émet à toutes les longueurs d'onde, je le répète. On peut l'observer dans les ondes radio, un rayon X, etc. Mais disons le maximum, c'est la loi de Wien, il y a un lien avec la température, et dans le domaine visible, voilà, si vous avez des étoiles à plus de 10 000 degrés en surface, bien sûr, hein, parce qu'au centre il fait beaucoup plus chaud, et bien plus de 10 000 degrés, vous piquerez plutôt dans le bleu, voire dans l'ultraviolet, si vous êtes encore plus chaud. Mais ça, nos yeux ne les verront pas, mais nos télescopes les voient. Et puis si vous êtes froid, comme étoile, genre 3 000, voilà, 3
3000 Kelvin, 3000 degrés, puisque bon, finalement, la Kelvin et les Celsius, c'est quasiment pareil avec ces températures-là, eh ben, vous serez plutôt dans le rouge, voire voilà, dans l'infrarouge pour les étoiles ou les astres les plus froids. Et le Soleil, bah, lui, il a voilà, 6000 à peu près Kelvin de température de surface, il est un peu au milieu, dans le jaune, voilà. Et donc, on peut essayer, alors avec des données sur Internet, des types d'étoiles, etc., de trouver la couleur des étoiles. À l'œil, c'est pas facile, ou au télescope, ou au jumel, c'est pas facile, mais on a un instrument qui est pas mal, et c'est peut-être une deuxième expérience que je vous propose. Donc, après le CD-ROM, avec les lampes qui sont chez vous, et éventuellement le soleil, mais avec le petit dispositif en carton, la deuxième expérience que je vous propose, c'est faire des photos du ciel avec votre appareil photo. Alors, moi, il se trouve que c'est un Nikon, voilà, mais n'importe quelle autre marque fonctionne. Alors, il vaut mieux un appareil un petit peu costaud, hein, qui fasse, disons, une pause de nuit. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros comme ça, un petit compact peut suffire, numérique, hein, même argentique. Hein, moi, j'ai commencé avec de l'argentique. Hein, voilà, j'ai même des films qui sont quelque part par ici, encore des vrais négatifs et des vrais diapos. Mais voilà, un numérique serait utile. Alors, par contre, les smartphones, je ne crois pas que ça fonctionne bien. Ils ne sont pas assez sensibles. Mais donc, il faut un appareil qui fasse une pause de plusieurs secondes d'exposition. Donc, il faut un trépied aussi. Et si vous avez un petit trépied et un appareil qui permet de faire des pauses de juste 4-5 secondes, hein. Vous mettez la mise au point à l'infini, vous posez votre trépied sur votre balcon, ou même derrière une fenêtre, moi j'ai fait des photos derrière des fenêtres toute la nuit, qui se passe très bien, j'ai pas encore eu le temps de remettre en forme, mais j'ai quelques photos à proposer ultérieurement. Le mieux c'est d'être dehors, voilà, dans un jardin, etc. Mais vraiment derrière une fenêtre ça va. Faites attention à la lumière intérieure, c'est-à-dire quand vous allumez, bah, la vitre va refléter, donc votre photo sera un petit peu morte si vous voulez regarder les étoiles, mais vous pouvez tout à fait faire ça derrière une vitre en ayant le plus de ciel possible. Et ce que je vous propose, c'est de faire des photos donc à longue pause, quelque chose comme 5, 6, 7, 10 secondes d'intégration, puis vous vérifiez à l'écran que c'est pas trop blanc ou trop saturé. Et si vous faites ça toute la nuit, alors parfois il y a des modes automatiques qui le permettent, hein, moi c'est ce que j'ai fait, vous pouvez avoir le ciel, des photos du ciel durant toute la nuit. Et vous pouvez combiner ces photos pour faire une image assez magnifique de filet d'étoiles. Et là vous verrez les couleurs d'étoiles. Voilà, c'est l'objet de la séquence suivante. Alors nous allons utiliser le petit logiciel qui s'appelle StarStax, dont des équivalents existent sur plein de systèmes d'exploitation, sinon il y a d'autres logiciels qui existent, moi je suis pas expert, mais le principe est simple, c'est que on dépose ces images prises donc toute la nuit à gauche, et le logiciel va les coadditionner, c'est-à-dire les additionner en faisant une moyenne. Alors je vais vous faire une démonstration, je vais prendre tout un tas d'images, alors il prend que des images voilà, JPEG ou ce genre-là, donc si vous avez d'autres formats qui sortent de vos appareils photo, il faut les convertir avant. Donc là j'ai 229 images, voilà, que j'ai mises en JPEG, donc vous voyez la liste à gauche, et puis l'écran principal montre chacune de ces images si on clique dessus. Alors là j'ai l'image qui s'appelle 558 par exemple, là je vous en mets une autre, voilà, qui est plus bleue parce qu'entre temps la pleine lune s'est levée. Et donc, en se levant, quand vous faites des pauses la nuit, le ciel devient plus bleu et plus esthétique. Alors qu'en début de nuit, je vais le remettre, la pleine lune n'était pas encore là. Parce qu'en fait, on n'était pas encore à la pleine lune. Donc, il y a des images qui sont un petit peu grises, comme ça, d'apparence. Enfin, grises, je passe à travers. Et donc, vous voyez peut-être sur l'arbre, là, la lune se lève. Et sur les feuilles qui sont un peu au milieu, elle commence à être éclairée. Je peux le passer à la main. Vous voyez que les feuilles, ou pas, commencent à être éclairées. Et le ciel devient plus bleu. C'est la pleine lune qui se lève et donc qui illumine progressivement l'arbre. Et la lumière diffuse dans l'atmosphère pour donner un ciel bleu comme en plein jour finalement. Donc voilà, je vais en mettre une autre là-bas. Donc alors l'idée, vous voyez que l'arbre s'éclaire, entre guillemets, ouais, notamment là. Là, on voit bien une arrivée de lumière un peu au milieu. Puis je vais aller un petit peu plus loin.
Voilà, là aussi, on le voit très clairement. Et puis bah, la lune tourne hein, toute la nuit. Et puis donc d'autres parties de l'arbre sont illuminées. Et voilà. Donc on peut choisir d'empiler tout le monde ou d'empiler qu'une partie. Alors là, pour l'exercice, je vais juste empiler que les images pour lesquelles il y a un ciel un petit peu bleu. Il n'y a absolument aucune justification, sinon esthétique. Alors, faut déjà que je repère où est-ce que ça commence à être un peu bleu. Voilà, on va dire que c'est là. Voilà, donc c'est la 608. Alors, je décoche les autres. Alors, c'est un peu fastidieux. Il y a peut-être un moyen de le faire. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ah non, je peux pas les sélectionner. Oula, il se passe des trucs bizarres. Non, bon, je suis pas expert. Bon, alors, j'aurais peut-être dû, au final, enfin, initialement, ne pas les sélectionner. Bon, je vais peut-être pas le faire. Ça va prendre du temps. Bon, alors, il y en a qu'une quarantaine. Donc je les décoche parce que voilà, pour une raison X ou Y, j'ai pas envie de les mettre. Alors le plus intéressant est à venir. On va demander à StarStax de les additionner. Voilà. Donc j'ai pris en gros celle que je veux. Bon. Je vais en haut ici pour l'empilement, stacking en anglais, d'où le terme. Et là, regardez ce qui se passe sur l'écran. Il additionne et vous voyez donc le mouvement successif de toutes les images. Enfin, le mouvement, les étoiles, comme le ciel tourne et que la caméra est fixe, les étoiles ont un mouvement apparent et progressivement ce mouvement se dévoile puisqu'en fait on additionne les images. Là, j'avais pris une image, alors j'ai écrit ça quelque part, mais je ne l'ai pas là en tête, toutes les 2 minutes, je crois, avec une pause d'une dizaine de secondes. Et donc on voit l'image qui se forme, enfin l'image additionnée. Donc là, c'est du temps réel, hein, il est en train de le calculer. En bas à gauche de la fenêtre, vous avez la barre qui indique le déroulement du calcul. Donc on en est encore au début. Ça prend quelques minutes. Alors il y a des stries aussi sur l'image un peu régulières qui viennent, je pense, du détecteur. J'ai peut-être pas mis les bons paramètres de l'appareil photo. Donc ça fait voilà, ça fait une sorte de grillage. Bon, là, ce n'est pas un effet attendu. Voilà, je sais pas trop d'où ça vient. Peut-être de la lumière parasite qui vient de la Lune et qui s'est diffusée. Bon, je sais pas trop. Enfin, vous voyez l'idée. Progressivement, l'image se construit et le mouvement des étoiles apparaît. Et puis, on voit mieux la couleur des étoiles. Couleur rouge, couleur plutôt bleue. Alors, c'est plutôt blanc, hein, mais là, c'est la réponse du détecteur de l'appareil photo. Et puis comme j'ai visé l'étoile polaire un petit peu au milieu, mais au tiers bas de l'image, on voit que l'étoile polaire ne bouge quasiment pas, parce qu'en fait l'étoile polaire est juste l'étoile qui par hasard tombe proche de l'axe de rotation de la Terre. Hein. Et puis d'ailleurs ça bouge avec l'époque. Hein. Alors à l'échelle humaine ça bouge pas beaucoup, hein. C'est de l'ordre de, je crois, de 26 000 ans, mais... Mais donc l'étoile polaire ne bouge pas beaucoup en apparence, elle tourne quand même autour de l'axe de rotation de la Terre comme tout le monde, donc un peu au centre. Et puis plus vous êtes loin de l'axe de rotation de la Terre, plus les étoiles décrivent un arc de cercle très très grand, très très long. Donc voilà, on est à peu près à la moitié. L'image se forme. Et progressivement. Ce qu'on appelle donc un filet d'étoiles. Alors on peut se demander, mais pourquoi on fait plusieurs petites pauses et pas une pause longue? Ben, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est la technologie qui limite. Faire une longue pause est plutôt risqué, et puis si la batterie s'arrête, eh ben, on perd tout. Donc l'idée, c'est plutôt de faire des pauses relativement courtes. Comme ça, ben, si la batterie, à un moment, n'a plus assez d'énergie, eh ben, ça prend plus de photos, mais au moins celles qui sont passées, ben, sont bien prises et enregistrées. Donc on peut ensuite accumuler. Et tout l'art, entre guillemets, c'est de faire des poses suffisamment rapprochées pour ne pas qu'il y ait de pointillés dans l'image reconstituée et des expositions assez longues pour quand même voir les étoiles et voir le ciel. Donc c'est un peu un équilibre entre les deux. Puis voilà, vous faites plusieurs tests, plusieurs soirées et vous trouverez les réglages qui vous conviennent. Donc on a quasiment fini. Vous voyez, sur les bords, les étoiles ont fait de très grands arcs de ciel, de cercles, et puis au niveau de la polaire, ben, ça n'a quasiment pas bougé, c'est normal. Alors pareil, je pourrais vous retrouver les horaires, mais là, il y a quelques heures de pause, hein. Je crois qu'il y a quelque chose comme 4 heures de pause successives. Hein.
Voilà, il nous dit, vous l'avez pas vu, mais qu'il a processé 180 images à peu près. Et puis là, on peut vouloir zoomer sur l'arbre, par exemple. Et puis, vous voyez les filets d'étoiles qui sont donc... Je ne sais pas si on arrive à voir la souris quand j'y suis. Bon, je n'arrive pas à voir, mais... les filets d'étoiles qui sont donc des arcs de cercle. Et puis, il y a un trait, là, même plusieurs. Un trait rectiligne, ici, un petit peu à gauche et là, un petit peu à droite, plus faible. En fait, ce sont des satellites qui passent pendant l'exposition. Je peux zoomer un petit peu plus. Voilà, ici, en plein milieu, le tiré droit, c'est un satellite qui est passé pendant l'exposition, là aussi. Et puis, donc, l'étoile polaire... C'est le gros arc de cercle très brillant qui est là. Et puis plus vous allez loin de l'axe de rotation de la Terre, je sais pas trop où je suis dans l'image, mais plus les arcs de cercle sont très très longs. Là, vous avez des belles étoiles. Donc en fait, on a accumulé. Alors on voit sur les étoiles un peu faibles qu'en fait, on a une succession de pauses, hein, plein de petits points. Et on voit que le détecteur, donc l'appareil photo, alors, est d'une bonne qualité, mais enfin, on voit par exemple que la couleur de l'étoile varie. Là, elle est un peu bleue, là, elle est bleue très claire, là, elle devient un petit peu violette. Donc, en fait, c'est dû à la fois à la stabilité du détecteur et puis à la qualité de l'atmosphère qui varie pendant la pose. Donc, c'est assez difficile de voir la couleur d'une étoile faible parce qu'il n'y a pas assez de signal. Par contre, ici, là, vous avez quelques étoiles. Là, vous avez un bel arc de cercle d'une étoile plutôt rouge. Et puis, là, vous avez des étoiles, les deux ici, là, sous les rouges, plutôt bleues. Bleu ou blanche, hein, ça dépend du type de détecteur. J'ai pas étalonné photométriquement les couleurs du détecteur. Donc vous pouvez faire ça. Vous amuser à regarder la couleur des étoiles, donc leur température. En plus, c'est très joli à faire. Voilà, là, elle est plus belle, celle-là. Vaut mieux prendre les étoiles brillantes. Hein. En plus, vous pouvez les reconnaître avec la constellation que vous regardez. Alors sur cette image, on voit pas trop les constellations, mais vous pouvez faire une ruse pour les voir. Alors, je ne vais pas refaire le calcul ici, mais il suffit de faire un petit trou les images que vous sélectionnez. Par exemple, au lieu de les sélectionner continu de, alors, je sais pas, 600 à, je sais pas combien, à 800, en gros, vous sélectionnez les 2-3 premières, vous mettez un trou de 10 et vous continuez. Comme ça, vous aurez un point brillant ou quelques points brillants, un trou et ensuite les arcs de cercle. Et avec les points brillants, vous pouvez reconnaître les constellations beaucoup plus facilement. Là, par exemple, il y a la Grande Ourse, mais c'est difficile à reconnaître parce que tous les arcs de cercle s'accumulent. Je pourrais vous le tester, vous faire un petit test après, mais comme ça prend du temps, je vais vous le refaire. Donc voilà, donc on peut faire des belles images esthétiques. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais enfin voilà, c'est en tout cas c'est esthétique. Si ça vous plaît, faites-le. Si ça vous plaît pas, ne le faites pas. C'est assez facile, il suffit juste de laisser l'appareil photo derrière une fenêtre, évidemment non éclairée de l'intérieur, ou si vous avez la chance, sur un balcon, ou dans un jardin, ou que sais-je. Là, il y a un autre satellite. Alors ça peut être... Alors là, c'est des satellites, hein, mais sinon ça peut être des météorites, enfin des étoiles filantes qui passent, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer dans un instant, je vais le recalculer hors vidéo, le coup en mettant un petit trou pour voir ce que ça donne, et puis on va pouvoir discuter de ça. Voilà, j'espère que cet exemple vous sied. Donc là, j'ai fait ce que j'ai proposé, c'est-à-dire, vous pouvez voir à gauche ou pas, que j'ai effectivement sélectionné trois images, puis j'ai fait un trou d'une vingtaine d'images, et donc quand on zoome sur l'image finale, ou pas, voilà, ah oui, il faut cliquer là, pardon. Vous voyez, donc j'ai sélectionné quelques images, fait un trou, et puis laissé le filet d'étoiles. Alors si on y arrive, on peut réussir à trouver... où est la Grande Ourse? Alors je vais zoomer out, enfin refaire un zoom arrière, et on peut voir, si on a des yeux experts, que la Grande Ourse est quelque part par là. Alors en fait, avec cette focale, on peut pas trop voir la Grande Ourse parce qu'en fait elle est au-dessus, elle est un petit peu coupée, je crois, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc vous avez les couleurs des étoiles sur un grand arc de cercle, et puis éventuellement sur une petite portion, un petit arc de cercle.
J'aurais pu en mettre qu'une, hein, au lieu d'en mettre trois, l'image, là. Et voilà. Donc c'est éventuellement esthétique, en tout cas instructif. Vous pouvez vous amuser à composer comme vous le souhaitez, et puis voir la couleur des étoiles, et donc estimer leur température. Donc voilà, vous savez tout sur les couleurs des étoiles, en tout cas comment les mesurer avec un appareil photo la nuit, puis en faisant, j'espère, des belles photos. Vous savez comment faire un spectre avec voilà, un CD-ROM. Bah voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, parce que bah voilà, j'ai une ANR à finir, je dois me raser les prochains jours, j'ai des examens à préparer pour mes chers étudiants. Voilà, la reprise, même si c'est toujours en télétravail, est un petit peu intense, et j'espère pour vous aussi. Alors donc, c'est la fin des conférences confinées sous le format actuel. En revanche, ça n'est pas la fin de ma participation sur cette chaîne YouTube. Il y aura d'autres formats plus courts certainement, peut-être plus ciblés sur des petites choses. Voilà, j'y réfléchis. Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues. J'aurais aimé parler avec vous de plein d'autres choses, sur comment faire plein de petites expériences, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire sur les galaxies, le fond cosmologique, même si j'en ai déjà pas mal parlé, sur le corps noir, ça c'est quelque chose de très intéressant à aborder aussi. J'aurais aussi voulu vous parler de trous noirs, d'ondes gravitationnelles, de missions spatiales, notamment Euclide, que j'ai simplement survolé, que j'ai pas complètement abordé comme je l'aurais souhaité. Voilà, mais donc la vie est longue, et donc j'espère que nous nous retrouvons sur cette chaîne, sur des formats donc plus courts et différent, et à une fréquence peut-être un peu moins grande que la fréquence hebdomadaire à laquelle je me suis tenu, et c'était un grand plaisir. Alors, il y aura bien sûr la séquence livres et questions sur le chat, mais bientôt, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un week-end exceptionnel sur YouTube. Notez bien, c'est encore en cours de construction, donc il y a des choses qui ne sont pas calées, mais ce qui est sûr, c'est que le samedi 27 juin, de 18h jusqu'au dimanche 8h du matin, il y aura sur YouTube en direct avec des youtubeurs de choc, c'est-à-dire pas moi évidemment, mais des vrais youtubeurs de choc, grâce notamment à l'université Paris-Saclay et avec des partenaires qu'on citera abondamment, la nuit du Big Bang au Big Band. C'est une nuit qui croisera des conférences d'un niveau exceptionnel mais très accessible bien entendu par des chercheuses et des chercheurs en astrophysique. Nous croiserons avec de la musique par notamment du jazz, du conservatoire, de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, notamment, et la section jazz. Il y aura de nombreuses interventions. Ça va être absolument extraordinaire. Donc ça sera samedi 27 juin et 28 juin, donc de 18h à 8h du matin. Donc plus d'une dizaine d'heures non-stop sur YouTube, voilà, donc soyez au rendez-vous. Et puis le vendredi 26 juin, il y aura peut-être un autre événement, je ne préfère pas le dire parce que voilà, mais en tout cas ça aura lieu sur YouTube, ça sera spécial astronomie, et donc voilà, réservez votre 26 juin soir et tout votre samedi soir jusqu'au dimanche matin. Voilà, on s'arrêtera à 8h pour le petit déjeuner, donc en fait on avait prévu comme mes collègues, le 26 juin, un événement physique. Néanmoins, les conditions ne sont peut-être pas idéales, donc on a préféré nous reporter sur YouTube, et donc vous serez très nombreux à voir ça en direct, avec une animation, ça va être juste génial. Donc c'est aussi pour ça que je le temps de préparation, parce que je coordonne un de ces événements, enfin l'événement de l'université Paris-Saclay, je préfère mettre mon énergie pour coordonner cet événement et qu'il soit réussi, et puis les conférences confinées, enfin qui changeront de nom Astro, pourront intervenir un peu plus tard. Donc notez bien ces dates, vous verrez, ça sera juste extraordinaire. Notamment donc le fameux festival du Big Bang au Big Band. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre, et en fait ce sera une première. Donc, il y a les sorties d'intérieur que je vous conseille aussi sur les réseaux sociaux que l'université Paris-Saclay, la Diagonale Paris-Saclay émet chaque jour, avec des conseils culturels et scientifiques. Et puis les livres que j'ai retrouvés, dont je voulais vous parler, parce que c'est la dernière de la saison, disons. Un livre que j'adore, écrit par un collègue qui est vraiment super, qui s'appelle
s'appelle Jean-Michel Halimi. Pourquoi la nuit est-elle noire? C'est chez Les Petites Pommes du Savoir, c'est ça, le pommier. Alors moi j'ai une vieille édition puisque ça date d'il y a un certain temps, mais c'est tout petit, ça se lit vite. Pourquoi la nuit est-elle noire? Alors j'en ai parlé dans une de mes séquences. Et Jean-Michel vraiment résume très très bien, c'est très lisible, c'est voilà. Donc je sais pas si ça a été réédité, moi j'ai une des premières éditions, mais voilà, je vous le conseille. Pourquoi la nuit est-elle noire? Tout simplement l'univers de mon collègue aussi ami Alain Blanchard, donc chez Domino Flammarion. Donc aussi c'est la version que j'ai date d'un petit peu, voilà, elle est encore un petit peu plus ancienne. Mais Alain, comme d'habitude, arrive à très bien résumer et synthétiser l'univers en quelques pages, voilà. Donc je vous conseille la lecture. Et puis, alors c'est pas de l'astrophysique, mais bon, ce sont des grands classiques. Alors ceux qui connaissent rigoleront parce qu'ils voilà, ils l'ont lu et c'est voilà. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça doit faire partie de votre culture. Les deux livres que je vous propose, enfin surtout celui-là, doivent faire partie de la culture de tout le monde. Le guide galactique. D'ailleurs, j'ai peut-être une édition, parce que dans une autre édition, ça s'appelle le guide du routard intergalactique. Donc, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le guide galactique. Là, peut-être qu'ils ont eu une histoire de droit de titre, ou je ne sais pas quoi. Enfin, Douglas Adams. En anglais, c'est, I guess, Hitchhiker's Guide of the Galaxy, ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du titre en anglais. Mais c'est juste... Il n'y a pas de mots. C'est un standard. C'est rempli d'humour. C'est... Voilà, enfin, ceux qui connaissent, voilà, peut-être en parleront mieux que moi, mais c'est, voilà, c'est absolument à lire. Donc, si vous aimez un petit peu les sciences, l'humour, alors anglo-saxon, bien sûr, ça doit faire partie de la culture et vous verrez que c'est truffé de plein de bonnes choses. Et puis, donc, un autre, alors là, ça concerne plutôt le monde de la recherche, donc c'est aussi un standard. David Lodge, Un tout petit monde, qui relate avec. Humour, mais aussi une petite attaque au vitriol, et il dépeint avec sincérité voilà, je cherche mes mots, mais en tout cas sans condescendance aucune, toutes les petites histoires, hein, pas forcément les plus belles, du milieu de la recherche. Alors là, il se trouve que c'est pas de la recherche scientifique, mais peu importe, hein, vous transposez. C'était de la littérature, je crois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais voilà, en tout cas, ça concerne le milieu universitaire avec tous ces travers. Voilà, en fait, je vous le conseille. Voilà, c'est très, très rempli d'humour également. Alors, j'en ai fini. Je vous donne rendez-vous le 27 juin donc, sur une chaîne YouTube dont vous aurez connaissance incessamment. Hein, voilà, c'est... nous communiquerons à cet effet en temps utile. Je réponds à vos questions sur le chat dans les minutes qui suivent. Et puis donc je vous souhaite une bonne reprise ou en tout cas une bonne continuation. Pour les étudiants aussi, du bon courage, parce que je sais, et puis les élèves aussi, mais bon, je suis un petit peu plus impliqué au niveau des étudiants. Je sais que voilà, la période n'a pas été forcément facile, et puis pour les étudiants, bah, voilà, la reprise ne se fera que à la rentrée, mais il y a des petits examens qu'on essaie de faire les plus, non pas simples, mais les plus accessibles possibles, voilà, pour qu'il n'y ait pas de stress, et puis qu'il y ait une évaluation... De ce qui a été fait quand même de manière raisonnable, mais pas d'inquiétude, travaillez comme vous pouvez et puis on tiendra compte de tout le reste. Bonne continuation à tous et puis bah, à bientôt sur cette chaîne et sinon en tout cas le 27 juin avec une belle surprise qui vous attend toute la nuit. Voilà, je réponds à vos questions. Au revoir, bonne continuation, ciao.